Depuis sa séparation avec Alexandre, Mathieu a décidé de prendre du temps pour se ressourcer et s'occuper de lui. Le célèbre candidat de l'amour est dans le pré à confier sur Instagram s'être débarrassé d'une addiction qui le tiraillait depuis un quart de siècle. Sa vie a pris un tout autre virage depuis sa séparation avec Alexandre. En couple depuis 2 ans et demi avec son soupirant dans l'amour et dans le pré, Mathieu a vu son compagnon tirer un trait sur cette belle histoire. Son départ a été un choc parce que je ne m'y attendais pas, s'est souvenu l'agriculteur sur M6, avant d'expliquer la raison pour laquelle celui qui a rencontré un nouvel homme avait décidé de le quitter. On a beaucoup parlé, il m'a dit qu'il n'était plus heureux dans cette relation, donc je le laisse partir. Leur quotidien, bien différent, ont fini par avoir raison de leur complicité. Depuis cette rupture abrupte, l'éleveur de chevaux continue son combat pour devenir parent. Atteint d'une maladie génétique appelée maladie de Kadasil, il doit s'assurer de ne pas pouvoir la transmettre à son futur enfant. Le 6 janvier dernier, CIST au pied du Mont Blanc qu'il donnait des nouvelles de l'avancée de son dossier. Sur les 5 donneuses d'ovocytes sélectionnées, 3 sont compatibles avec les 2 dernières maladies récessives que l'on m'a trouvées. CIST une bonne nouvelle indiquait-il, optimiste, et lunettes de soleil sur le nez. Il fête ses 5 mois sans tabac en attendant le verdict. Mathieu profite toujours des charmes de la station de Saint-Gervais-les-Bains, où il se ressource. Et tient ses bonnes résolutions. Dans un nouvel story Instagram, il a clamé sa fierté de s'être libéré d'une vilaine dépendance. Bonjour les follow cops, juste pour vous dire que cela fait 5 mois sans tabac, et que je ne ressens plus du tout l'envie après 25 ans de fumage, quelle connerie et argent dépensé pour rien, a écrit celui qui préfère respirer l'air pur de la montagne. Un défi réussi qui n'est pas prêt de partir en fumée.